Encore une mission réussie par le maire de Manhattan. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant très peu de trafic sur ce grand pont qui va de Shade à Manhattan. Bon alors oui, forcément il y a un feu rouge donc les voitures doivent attendre un petit peu, mais globalement, regardez-moi ça, il fut un temps où ici on avait quand même un énorme flot de voitures et maintenant tout le monde tourne ici. Voilà, là il y en a plein qui tournent. Et alors beaucoup de personnes, alors déjà bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cities Skylines. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'aurais dû faire un petit peu ce que j'avais fait avant, maintenir ce que je disais depuis le début, c'est-à-dire relier ici ça au périph', ce qui n'est pas entièrement faux, je vais être honnête, c'est même tout à fait vrai. Mais j'aime bien ce côté de déposer directement dans la ville. Maintenant, ce que je me demande, c'est si ici, par contre, je vais pas le déposer au périph', ça va... Ouais, je pense que je vais le faire pour une raison bien simple. Ce sera peut-être un poil moins intéressant comme forme, je dirais. Alors, hop, on va... ça, on va le refaire, du coup. Mais ce que ça va me permettre de faire, c'est d'avoir un... D'avoir un pont qui n'est plus en... qui n'est plus en diagonale, en fait, niveau de la hauteur. Ah mince, lui. Il est cassé. Hop, voilà. Donc, tout droit, parce que je pense que quand même, ça va faire beaucoup de bien, ça. Alors, faut qu'on le mette tout droit, donc ça suit. Ouais, au moins, on a ce guide-là. Et si... si on le met là, alors est-ce que c'est toujours tout droit? Oui, c'est plutôt droit. Tac, alors ils vont se croiser par contre. Ah non, ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché du tout. Ou alors, bah attendez, ce qu'on peut aussi faire ici, c'est que là, il est... Ok, là, il est droit. On peut pas mettre de tunnel, hein, je vous rappelle. C'est quelque chose que qui va arriver. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On va se faire quelque chose comme ça, par exemple. Parce que j'ai pris une décision là, à l'instant. C'est que, à la surprise générale, j'ai décidé finalement de garder Shade tel qu'il est maintenant. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça, nous? Pente trop inclinée, ouais. Non, c'est pas un bon plan du tout, tout ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est vraiment cette pente qui pose problème. Parce que j'ai pas envie que les gens se croisent. Ah mince, j'ai perdu le fait qu'il y ait plein d'arches et tout. C'est dommage ça. Alors, je pense qu'on va peut-être devoir rester sur ce qu'on avait avant en fait. C'est dommage, mais... parce que là... Bah là c'est bon, ils le gardent. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose comme... Alors là, on l'a à quelle hauteur? On l'a à la hauteur du haut, et là, on le veut toujours à la hauteur du haut, donc on va peut-être arrêter genre là. Et là, du coup, en plus, ça nous laisse un petit peu plus de place pour jouer un petit peu avec le reste, donc venez voir. Si toi, par exemple, on te fait descendre ici, puis... Puis, allez, comme ça, et ensuite rejoindre comme ça. Oh, le truc pas foireux du tout. Et que toi, pente trop incliné. Ah, mince. Là, il était content. Si on relie directement, non? Ah, bah oui, forcément, il était content pour rejoindre, d'accord. Non, toujours. Voilà. Et on va le faire, genre, quelque chose comme ça. Alors, ça fait... Oh, ça va, en fait. Je veux dire, ça fait un spaghetti horrible, mais en fait, ça va. Oh, lui, il veut pas, c'est sérieux. Bon. Tac. Bon, du coup, là, c'est plus parfait. Mais ça fait ce qu'on veut, au moins. Alors, j'ai mis ces routes-là parce que je voulais que ce soit avec deux voies. Je me demande si mettre ça, ce serait pas mieux quand même. On va tester avec ça, je pense. Enfin, là, on peut. Parce que, pour une seule raison, c'est qu'ils vont plus vite, tout simplement. Hmm.
Tac. Ah, c'est dur, hein. On va voir si on le fait complètement de zéro, genre comme ça. Et peut-être si on le descend d'un cran, non, ça marchera pas. Comme ça, ça pas trop incliné. Bon, bah tant pis. On va le faire comme on l'avait fait au début. Alors, j'ai réussi à faire quelque chose qui est encore... Ah ouais, non, qui est beaucoup plus moche que ce que j'avais fait avant. J'aurais jamais dû le détruire, mais voilà ce que ça donne. On va le camoufler avec... Oups. Toujours plus d'arbres. Mais genre, vraiment plus. Là, on met le brush au max. Du coup, ça veut dire que le centre va être très 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 dense. Et voilà, on le met comme ça, là c'est parfait. Et on met même des arbres là. Voilà, là on n'y voit que du feu. Et normalement, si on relance la simulation, il y en a beaucoup qui ont disparu. Et ah mince, par contre, non, faut que je le remette de ce côté-là. Donc non, pardon, en fait, on va pas revenir tout de suite. Alors, lui, il faisait comment lui? Attendez. On faisait tac. Bon, vous savez quoi, on va faire peut-être un petit peu plus simple que ce qu'on avait fait avant. Alors j'aimerais bien le sortir là, mais comme vous pouvez voir, je peux pas à cause des arches. C'est pour ça que j'étais obligé de sortir aussi loin. Je pense qu'on va quand même le garder peut-être un petit peu comme ce que j'avais la dernière fois. Et faire genre... Hop. Voilà, alors c'est un petit peu moins efficace que la dernière fois. Dans le sens où la dernière fois, j'avais réussi à quand même faire en sorte que les flux ne se croisent pas. Par contre, je me suis planté parce que eux... Alors, tu vois, avec manager, on le ferme. Alors, tac. Voilà. Toi, je veux que tu ailles dans l'autre sens. Du coup, tu vois, avec manager, on l'ouvre, on enlève ça. Et il va juste falloir qu'on remette un petit peu de courant. Un petit peu dommage que tout shade soit privé de courant. Et donc, j'ai pris une décision. C'est que Shade, finalement, on va le laisser tel qu'il est actuellement. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant comme ça. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je... Alors, je vais avoir d'autres occasions de... Ah mince, ça a été coupé ici aussi. Je vais avoir d'autres occasions de faire d'autres types de villes. Je vous rappelle, c'est pas la seule saison qu'il va y avoir. Loin de là. On va en avoir d'autres. Là, c'est juste la première saison. Il va y avoir une série créative juste après, et donc c'est surtout avec celle-là qu'on va pouvoir s'amuser, je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ce schéma-là. J'aime bien cet entraînement. Alors qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne, alors, chez un flic, par exemple, de rentrer dans Shade. Sans mauvais jeu de mots, hein, étant donné que Shade est un tipeur. Alors, on traverse le très 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 long pont. On est comme ça. Pour l'instant, c'est assez agréable, je trouve. Et on se retrouve sur le périph. Bon, en fait, ça va. Alors, direct, ouais, on a tendance à aller directement sur cette grande avenue. Et, tiens, j'ai pas fait gaffe, du coup. Ah, c'est dommage, maintenant, on voit plus l'arche en arrivant, ceci dit. Ouais, puis vu qu'on est plus catapulté en plein milieu de la ville, forcément, ah ouais. Alors, tac... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors ceci dit, beaucoup de ce que j'avais fait pour l'instant était temporaire. Je sais pas, je me demande si c'est pas... Il y a des bâtiments qui disparaissent de temps en temps. Je sais pas si vous avez remarqué ça sur vos parties. Mais ouais, il y a des parties qui disparaissent. Donc ah, il y a le panneau Central Craft. J'avais toujours pas posé, c'est vrai. Central Craft, faut qu'on le fasse d'ici quelques épisodes, je pense. Tiens, bah ça typiquement, statue de la prospérité. Hop, on peut se poser ça là. Parce qu'il me semble que dans les monuments, il me manque quoi? Il me manque l'ascenseur spatial. Et il y a quelques petites choses que j'ai pas encore posées. Bank of America. Dans les bâtiments uniques d'origine. Ah bah lui notamment. Grand centre commercial. Où est-ce qu'on pourrait le mettre lui? On pourrait le mettre... Oh, près de l'autoroute, tiens. Alors, parce que là, tiens, si on arrive, on entre par là, on pourrait le mettre dans... Non, Gallifreyite, il y a de la place pour rien. Peut-être dans ce quartier-là, non. Bon, peut-être au niveau du... Ah, sinon, la grande avenue qui est là, pourquoi pas. Pareil, je vais pas avoir de place, je suppose. On peut le mettre au croisement, ici. Là, il doit y avoir de la place, quand même. Je vais commencer à prendre de la place sur l'aide. Ok, tant pis, on va le mettre par ici.
Là, de toute façon, il va y avoir de plus en plus de bâtiments, donc on va le mettre... on va attendre de tracer les routes, parce qu'on va continuer hein, le même schéma que dans Manhattan, c'est-à-dire de tracer des routes parallèles. Et voyons voir si lui, je le mets là, donc c'est-à-dire que cette route-là, je la veux là. Et alors, on va mettre comme ça, comme les autres, hein, sur la fin. Ah, comment est-ce que je vais faire ça, du coup? Parce que celle-là, on va la vouloir qui rentre. Y compris de ce côté... Ah, oh, ça s'arrête là. On la veut jusqu'où, d'ailleurs? Peut-être l'arrêter par là, faire un périph qui revient sur lui-même. Ah ouais, d'accord, on va d'abord tracer ce fameux périph qui suit les lignes et... Voilà, là c'est un petit peu naturel de revenir sur lui-même. Et peut-être de monter là-haut, de se transformer en véritable autoroute peut-être. Alors, tac, qui monte là, c'est pas du tout réaliste ce que je suis en train de faire. On va pas avoir une ville qui monte là, pourquoi pas en soi. Et on va la faire revenir par là. Donc genre, on va avoir une ville qui fait ça, ici, et qui va revenir... ah non, ça, on veut surtout pas avoir de pont. Et quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. On modifiera une fois qu'on aura enlevé ce petit zigouigoui là. Ok, très bien. Donc là, maintenant qu'on a ça... On peut recommencer à faire nos routes qui, je suppose, ouais, celle-là non plus n'arrivera pas à être droite. Sauf que celle-là va dans l'autre sens, si je ne m'abuse. Celle-là, elle rentre, ouais. Fort bien. Et ça, c'est pas mal. La seule chose qu'on va changer, vous voyez que ici, du coup, on a une route qui va dans un seul sens. On va juste la mettre dans les deux sens. Vu que là, en fait, on a quelque chose d'un petit peu plus grand. Là, on a ce gros bâtiment-là qui est, il me semble, un bâtiment spécial. Ouais, c'est le bureau des services. Alors, est-ce qu'on arriverait... Ce qui serait génial, c'est de réussir à faire rentrer... Ah, je l'ai vu pendant une seconde. Il était vert. Voilà, parfait. Donc, il est un petit peu en décalé. D'ailleurs, si on peut ne pas le mettre en décalé, ce serait mieux, je pense. Espace déjà occupé. Qu'est-ce qu'on a, là? Happy, non. Bah non, j'ai rien, là, de spécial. Pourquoi je peux pas le déplacer? Ah, voilà. Boum, je le mets ici, et comme ça, là, on a de la place pour zoner du commercial. C'est quoi? Hop, hop, à côté du centre commercial, ça me semble le plus logique. Très bien. Là, il me manque encore des bâtiments. Je me fais très très peu d'argent maintenant. Ah ouais, l'opéra! Ah, l'opéra, je le verrais... Bah, pour le coup, l'opéra, je le verrais bien par ici. Ensuite, il va y avoir le centre des expositions que je verrai beaucoup plus. Je sais pas, peut-être de l'autre côté, à côté d'une sortie en tout cas. Faut voir, et là je suppose qu'il doit rester encore quelque chose. Ouais, il reste quand même le stade, et alors le stade lui il va être vraiment, vraiment énorme. Bon, tout ça c'est à réfléchir, de toute façon c'est pas pour tout de suite, hein, vu que l'ascenseur on le mettra par ici. La zone un peu touristique proche de... Ah mais non, on pourrait le mettre dans le quartier qui aura juste là. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et d'ailleurs, le stade aussi, on pourrait le mettre là. Cool. Bien. Bon, moi, je vais me mettre quelques petites routes. Hein. A priori, ça vous intéresse pas de me voir faire un nouveau quadrillage. On se retrouve juste après. Hein. Ok, donc là, j'ai fait un sacré quadrillage, quand même, comme vous pouvez le voir. Ça, je le laisse pour l'instant. Mais cette autoroute-là va bien sûr disparaître. Va sans doute... Je sais pas, ici, je pourrais faire genre un rond-point ou je sais pas, quelque chose ici. Ça pourrait être sympa d'avoir une bretelle et d'avoir vraiment ça qui devient quelque chose de réel, hein, parce que pour l'instant, tout ça, c'est temporaire. Mais là, on va pouvoir commencer à zoner des trucs intéressants. Donc, première chose à faire, c'est de dézoner tout ce qu'on a fait pour l'instant, parce que ça ne vaut rien. Alors... vous savez quoi d'ailleurs, je vais y aller vraiment à la barbare, on va absolument tout dézoner, on va même attendre un tout petit peu que tout ça disparaisse pour y voir un petit peu plus clair.
Alors, première chose à faire, je veux zoner le centre-ville. Bah, en fait, vous savez quoi? Je pourrais zoner genre tout ça, tout ce gros pâté-là. Vu que je ne compte pas mettre comment dire? Enfin, vous m'aurez compris. Vu que je ne compte pas en mettre. de quoi je parle, moi? De résidentiel, voilà. Je compte pas mettre de résidentiel au centre-ville. Donc je vais pouvoir être vachement libre quand même avec où je veux poser les choses en fait, contrairement à d'habitude. Donc ça c'est quand même vachement agréable. Voilà, tout ça on le garde. On va avoir un gros souci d'électricité parce que tout ça n'est plus zoné, mais on va s'en occuper. Ça on le garde. Voilà, tel que c'était, ça c'est très important que ça commence à se construire. Et ensuite, on va zoner voilà, l'intégralité de cette grande avenue centrale. Donc, niveau commercial, je pense qu'on a de la marge. Et puis, bah, pour tout le reste, hop, hop. Voilà, je pense que niveau industriel, on va aussi avoir énormément de marge. Là, tout ça. Ah, ouais, faudrait que je vois si je veux pas dézoner une partie pour que tout ce qui est en bordure de cette autre avenue principale. Qui en fait est de la même, hein, si on regarde, soit pour le coup en commercial, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, là, si on retourne sur le fameux jeu de la demande et tout, là, on est pas mal. Sauf que ça se relie pas. Allez, construisez un petit coup là. Je pense qu'en attendant, on va peut-être devoir mettre. Ah, j'ai rien dit, c'est bon, tout est relié, cool. Sauf l'arche, mais elle finira bien par être reliée, je me fais pas trop de soucis. Vous voyez que j'ai aussi ajouté le centre des expositions ici. Il va falloir que je rajoute tous les services habituels. Alors tout ça. Ah ouais, non, l'eau, elle est pas du tout zonée partout comme ce que je pensais. Alors, je vais rajouter l'eau, je vais rajouter bah, tous les divers services hein, dont on va avoir besoin. C'est-à-dire, genre. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on va un petit peu en avoir besoin. On va rajouter, pourquoi pas, genre là, on a. Petit espace comme ça, parfait. Niveau. Oh, là on est bon avec juste la caserne, très bien. Police, on va rajouter une petite caserne par là, parfait. Éducation, on est bon. Ah, transport, par contre, il va falloir qu'on s'y penche. Mais ouais, donc du coup, niveau. Là. Alors, comment ça se passe? Il va dans quel sens déjà, lui? Il va dans ce sens-là, donc. Et par contre, cette rue-là va dans l'autre sens. Très bien, bah, si on les met là, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir partir d'ici et ensuite revenir par l'autoroute. Parfait, bon, on va en mettre genre 4, parce que niveau incinération, on est un peu limite. Voilà, on en met 4, on va être large, je pense. Et tout ça va très lentement commencer à se peupler. Et remplir notre demande. Ça, c'est vraiment le principal. Vous savez que ce jeu, c'est l'éternel jeu de la demande. On va juste du coup allumer ça pour tout mettre à 100. Et je crois que là, ça va naturellement descendre, non? C'est ça? Ouais, là c'est en train de descendre, donc c'est cool. Là, j'ai juste en gros tout boosté à 100, donc tout est resté équivalent, hein. Mais à 100. Et là, ça tourne. Alors, j'ai gardé le même système hein, d'alterner. Là, il n'y a pas de feu rouge. Là, il y en a un. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a un, etc. Pour essayer de garder mes centres-villes sans aucun feu rouge. On va voir si ça marche, mais il n'y a pas trop de raison. En tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Il va juste rapidement falloir que je réfléchisse à une solution pour le train. Et je pense que le mieux, c'est de casser quelques. Ah mince, là, il y a ma passerelle. Est-ce que je pourrais le faire passer en dessous quitte à casser des bâtiments? Parce que. Ah, c'est dommage de casser le gros bâtiment quand même, mais. Voyons voir. Si lui, je le mets un peu en hauteur. Et que je fais traverser là. Là, on peut les relier en descendant. Oh. Oh ouais, si ça le fait. Faut juste maintenant que je remette mon petit passage un peu différemment du coup, mais genre tac et
Ah, dommage. Ah, comment est-ce que je pourrais le faire? Parce que là, au plus proche, c'est là. Pas trop incliné. Bon, bah, on va devoir casser un bâtiment. Tant pis. Voilà. Et on rajoute quelques arbres. Tout là, ça, c'est des espaces qui ne vont pas être utilisés parce que c'est quand même une passerelle qui est vachement utilisée pour le coup. Et d'ailleurs, niveau transport, comment on est où? 4200. On a un peu lâché l'affaire, je trouve. Ici, c'est pas mal. Calistralis n'a rien. Waouh. Ah ouais, non, il va falloir s'en occuper de façon urgente de Galistralith. Alors, et du coup, maintenant qu'on a ce sérail-là qui sort, on va pouvoir les continuer. Alors, on va devoir casser... Oh, il est bien aussi, c'est... Ah non, là, on passe au-dessus de la rue, carrément. On peut pas passer au-dessus de... Bon, bah toi, hop, tu vas devoir virer. On va... On va faire comment? On va faire comme ça... Et là, on peut peut-être passer à côté le long, là, si on longe comme ça. Oh, c'est chaud. Ah bah, pourquoi il veut pas, là? C'est trop proche. Ah non, là, il veut bien. Ok, cool. Donc là, si j'arrive à tout longer comme... Ça, on devrait être pas mal. Oh, aïe, 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 ce casse-tête. Ok, là, on est bien. On peut tout traverser. On traverse toute la baie. Et on se retrouve par là. Bien. Bon, donc là, on va avoir un train qui va peut-être passer genre du hub de transport, passer par Creepy et venir dans Shade. C'est juste dommage qu'on n'en ait pas un qui fait la même chose ici. Et pourquoi est-ce que là, j'ai un souci? Vous allez où, les gars? Vous allez tous à gauche maintenant? Alors, eux... Ah, ils passent par là. Ok, donc ça, en fait, si, ça a créé des bouchons quand même. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai zoné à mort. Donc maintenant, il y a plein de gens qui veulent passer par là. Ok, donc il va vraiment falloir que je mette en place le train. C'est la priorité, je pense. Et est-ce que j'ai besoin de mettre un autre coup de boost? Non. Ah, oh, par contre l'eau, mince. Alors attendez, je mets en pause, je mets l'eau comme j'avais dit tout à l'heure et j'arrive. Alors ça c'est fait, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de demandes résidentielles pour être honnête. Parce que là on a rempli toute la banlieue ici, on n'a pas encore rempli tout ça. Ah, je suis en train de perdre de l'argent par contre, tiens ça c'est original. J'avoue que je ne m'attendais pas trop à commencer à perdre de l'argent, surtout à ce stade du jeu. On va rallumer ça. Voilà, donc ça on l'éteint, c'est juste un pour booster à nouveau, donc là, ça va commencer à, voilà, là tout commence à se peupler. Est-ce que ici ça fait pareil? Ouais, là ça fait pareil, à moindre mesure, mais c'est bon. Et c'est pas mal, là. On commence à vraiment avoir quelque chose de très très actif, par contre, si on regarde le trafic, bon là l'éternel problème, ouais, et ensuite, ouais, on a ça qui est vraiment devenu horrible. Pourquoi est-ce qu'ils attendent, là? Est-ce que ça arrive de deux sources différentes? Bah, si ça se trouve, je vais encore refaire le pont, parce que peut-être que juste le mettre sur le périph', c'est la meilleure idée. Je vais peut-être finir par faire ce que certaines personnes disaient, c'est-à-dire mettre deux ponts. Il y en a certains qui parlaient d'avoir un... Oh ouais, d'ailleurs, ça marcherait vachement mieux. Si je mets un pont qui fait... comme ça et un pont comme ça, ça marche vachement mieux. Alors on va faire ça, vous allez comprendre ce que je veux faire et surtout vous allez comprendre pourquoi d'ici peu. Ça va éviter d'avoir tous ces croisements et tout, parce que là quand même ça fonctionne pas, on fonctionne pas du tout. Alors on va prendre, bon, pourquoi pas en faire une autoroute hein, à la limite. Et du coup, on va en prendre un qui va aller... Bah, est-ce que du coup, on se permet de mettre le train au milieu? On avait dit qu'on voulait pas avoir... Oh ouais, là, on pourrait si... Parce qu'on voulait pas continuer là, les rails ici, ça casserait vraiment trop, je pense. Ça ferait vraiment un trop gros spaghetti là. Mais si on le prend genre là... Parce que là, on a déjà un croisement.
Alors, on a deux choix. Soit on le prend directement ici, mais on casse pas mal de choses, soit on le prend le long. Bah, écoutez, ça me semble assez évident. Donc, toi, on va te prendre... Alors, est-ce qu'on veut qu'il aille de l'aéro... à l'aéroport aussi? Je pense pas. Je pense que si quelqu'un a envie d'aller à l'aéroport... Enfin, vient de l'aéroport et veut aller à Shade, plutôt que de le faire aller directement, on va l'obliger à aller jusque-là et ensuite à reprendre dans l'autre sens. Sachant qu'il y aura un métro aussi, sans doute, donc... Ouais. Ça nous permet, du coup, de faire... De le prendre ici, de le mettre le long là, ensuite, ah mince. Alors on va un petit peu déplacer nos ponts du coup, parce qu'autant profiter de cette avenue là. On va avoir un pont dans ce sens là, genre ici, qui va aller tout droit... il veut pas aller tout droit du tout. Mais alors pourquoi est-ce qu'il met pas les... Ah, il fait pas de forme intéressante ce pont-là? Mince. Ah, j'ai rien dit. Alors on va garder ce pont-là, on va le mettre à sens unique comme ça, et on va le prendre du coup genre là. Alors comment est-ce qu'on fait aller tout droit? Bah c'est nous qui déterminons ce qui est tout droit maintenant, je suppose. Hop, on va le faire aller directement là. Qu'est-ce que ça donne ça? Il est plat et il remonte sur la fin. Parfait. Et on va faire un autre dans le même sens du coup qu'on inversera après coup. On va faire venir comme... Ah non, on voulait avoir les... Ah mince, on voulait avoir les rails entre les deux. Alors attendez. Donc pendant tout ça, moi je suis en pause, hein, je vous rassure. Bon, par contre, je suis en train de dépenser une fortune pour ces travaux. Voilà, et ah, voilà, là je vais avoir assez de place. Donc, qu'est-ce que ça donne comme ça? Donc on a nos ponts qui sont pas complètement alignés, ce qui est pas dramatique. Maintenant, il va falloir faire rentrer nos rails entre les deux. Ça, ça va pas être bon. Et ça non plus, tiens, je suis pas... Enfin, je suis surpris et pas dans le bon sens. Alors, ah bah si on le fait passer en dessous, ça va. Donc, on va changer de technique ici. Hop, hop. Lui, on va le faire accompagner, mais au sol. Voilà. Et lui, maintenant, on peut le faire complètement droit. J'ai dit... On va s'en sortir. Alors, est-ce qu'on le met au sol? Enfin, au ras de l'eau, celui-là. On va le mettre un peu plus haut, quand même, je pense. Et... Comme... On a mis beaucoup d'espace, quand même. Alors, je parle pas beaucoup, c'est vraiment... c'est tous les petits trucs... Enfin, en gros, là, tout ce que j'ai fait, ça aurait pu déjà marcher. J'ai juste envie que ce soit joli, en plus de juste marcher. Donc, genre, si lui, je le mets comme ça. Et que maintenant, je le mets bien au centre. Alors là, on va considérer que c'est relativement au centre, on va voir. Mais t'es sérieux? Ça marchait il y a 2 secondes. Comment est-ce que je peux le détruire et ça marche plus? Tu m'expliques, jeu? Voilà. Bon, allez. Ça c'est au centre, ensuite lui on l'amène là, il rejoint, basta, c'est très bien, on va dire. Et toi maintenant tu vas monter, tu vas pas monter du tout parce que tu peux pas, c'est cool. Lui on va vouloir le faire monter. Je sais pas trop comment on va faire. C'est quand même un sacré... Ah mais non, mais on le fait passer en dessous comme on a fait avant. Je vais passer en dessous et on va mettre une gare de passagers genre... là ça aurait été bien mais ça n'a pas rentré. Pour en mettre plusieurs, une là qui va être la centrale. Ah, qu'on va mettre juste à côté de l'arche, on peut. Juste en face de l'arche alors. On pourrait le mettre juste là. Ouais là c'est pas mal, juste à côté du croisement comme ça. Ensuite, on lève, on passe de l'autre côté.
Et on suit jusque là. Oh, phew, c'est éprouvant. Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode. On va juste faire une ligne qui fait l'aller-retour. Comme ça et comme ça. Avec hop, si on lance un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Elle fonctionne. C'est bon, t'as de l'électricité? Non. Ah, on a coupé l'électricité. Ah, bah oui, on a complètement coupé l'électricité même. Bah attendez, on a la place pour le faire passer à côté, c'est cool. Tout était prévu. Tout était prévu. C'est comme ça. Ah, lui, on peut même le maintenir comme ça et on le fait venir genre juste là. Bah voilà. Moi je trouve que ça ressemble à quelque chose. Je suis assez content. Tu vois, est-ce qu'on peut te faire arriver en plein milieu? Non. On va t'arrêter là et on va mettre un petit répéteur. Voilà. Bien. Alors là, vous, vous faites quoi? Alors vous, voilà, vous aviez bugué, donc vous allez repartir. Là, c'est... Ah mince! J'ai oublié de les retourner. Donc, eux, c'est ceux qui vont dans cette direction-là. Donc là, ils vont tous se retourner d'un coup. Wow! Et donc voilà, là, on a l'autoroute qui fait tac, comme ça, et là, qui fait comme ça. Alors, vous, vous attendez quoi? D'accord, eux, donc c'est tous ceux qui ont bugué. Là, on est pas mal! On va juste avoir un problème si jamais on décide d'avoir des bateaux qui traversent là, ce qu'on va probablement faire. On n'avait pas dit qu'on voulait mettre un port de marchandises. Ah non, on avait dit qu'on allait les mettre là, c'est vrai. Ça peut être une bonne chose, juste de multiplier un petit peu les ports de marchandises pour les importations et les exportations. Même si j'ai pas l'impression qu'on en a... Ah, 100 quand même. Ah si, il y a pas mal d'activités. Bon, voilà, donc il y en avait quelques-uns qui me disaient déjà de mettre deux ponts. Et maintenant c'est chose faite. Par contre, ça, on n'en veut pas. On n'en veut certainement pas. Chut. Et je suppose qu'on va avoir la même chose ici. Hop, voilà. On verra si on a besoin de mettre une priorité ou pas. Hop. À la limite... Oh, attendez. Regardez, change lanes. Ici, on va mettre... on va laisser tel quel. Par contre, là... Celle de gauche, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, celle de gauche, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Ce que ça va faire en théorie, c'est que ça va leur laisser leur voie. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que... Wow. Est-ce que c'est ici que... Maintenant, vous voyez, là, il y en a trois qui marchent. Vous voyez, en fait, je peux pas faire de miracle. Là, j'avais essayé de faire des miracles et ça n'a... Ah, ça a peut-être marché. Vous voyez que là, j'ai mis les deux de gauche peuvent seulement tourner à gauche. Les deux du milieu peuvent faire les deux et celles de droite vont tout droit. Et ça a peut-être fluidifié la chose, honnêtement. On a plus un énorme embouteillage malgré le fait que cette autoroute soit incroyablement peuplée, enfin incroyablement utilisée. Et donc là, ouais, là ils se mettent tous à gauche, c'est insupportable. Ok, voyons voir si... Alors encore une fois, hein, faut... ça met souvent du temps à se mettre en place, mais si elle... celle du milieu, elle peut que... ils peuvent que aller tout droit. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça va faire le fait qu'ils vont peut-être en utiliser deux au lieu de juste une? On va voir, ça va mettre du temps à se mettre à jour, mais là c'est ridicule. Enfin, je veux dire, regardez ces ponts, quoi, c'est... C'est ridicule. Oui, non, ils ont tous exactement le même rôle. Ouais, ce mode ne fait pas des miracles. Ça, c'est vraiment dommage, hein, parce que ça, ces ponts-là... Enfin, je veux dire, hein, comme d'habitude, hein, là, à la limite, ils n'ont pas envie de tout utiliser. Ils peuvent en utiliser que ces trois voies-là. Mais en utiliser qu'une seule, c'est vraiment bizarre. Bon, voilà, on a fait pas mal de boulot. Je comprends pas trop comment la demande marche, parce que là, j'ai pas du tout bougé en niveau population. Pourtant, j'ai boosté à mort les trois types de demandes, donc j'aurais dû au moins avoir des nouveaux gens qui emménageaient.
Et ça a pas l'air d'être le cas, donc je sais pas trop ce qui se passe. Bon, bah écoutez, l'épisode a largement assez duré. Donc on va se retrouver dans le prochain épisode pour la suite, c'est-à-dire sans doute la suite de Shade qu'on va devoir raisonner d'ailleurs. Et puis, puis on verra quoi d'autre. Allez, salut à tous, bye bye.